Bon Serge, quel régime matrimonial as-tu choisi? La polygamie ou bien la monogamie? La monogamie. Est-ce que mademoiselle est d'accord? Oui, merci. On peut applaudir. Les biens issus de cette monogamie seront-ils séparés ou bien comment? Ils seront bien communs. Est-ce que maman est d'accord? Oui, merci. Est-ce qu'il y a donc quelqu'un qui s'oppose à ce mariage dans la salle? Il n'y a donc pas d'opposition, on va à nouveau applaudir. Depuis combien de temps êtes-vous ensemble? Et les motivations qui t'ont amené à prendre cette décision de la vie aujourd'hui? Car on ne se marie pas qui veut, mais qui peut. Quand tu te lèves, tu regardes la famille et tu nous expliques. Première rencontre. Une fois, ma cousine avait déménagé, elle est venue habiter par Obama. Un matin, j'arrive, donc très tôt le matin, dormant encore. C'est là où je suis encore à l'intérieur de la maison. Elle aussi arrive. On a bien sympathisé, on s'est changé le numéro de téléphone. Et puis, on s'est encore perdu. Donc la grève n'était pas facile, c'était peut-être 4 ans. Et Dieu a permis que nous soyons ensemble et je me suis décidé donc à faire d'elle ma femme, la moitié. Un homme qui me drague pendant 4 ans, ça veut dire que quand il m'appelle à l'autre, je suis à la maison, il me couche en train de dormir, il m'achète le poids, il reste en route jusqu'à il a. Chers futurs époux, c'est donc une autre étape de la vie que vous empruntez aujourd'hui. Que personne ne vous trompe. Il n'y a pas de mariage parfait ou super parfait. Aujourd'hui, les problèmes, vous les arrangez demain. Les problèmes du couple doivent s'arranger dans leur chambre. Dans cette chambre, il n'y a que 4 000 au plafond et le bon Dieu. Si Serge reconnaît avoir offensé Marie-Noël, dans cette chambre, tu lui dis, mon cœur, je demande pardon. Et ceci, vice versa. Vous savez donc que pour le combat qui va se passer dans la nuit, la négociation commence à journée. Serge, quand tu rentres, quand même de temps en temps des petits cadeaux. Le mariage, c'est par rapport à l'amour. Car si nous nous sommes mariés aujourd'hui par rapport à l'intérêt quelconque, sachez que si l'intérêt n'a fini demain, le mariage va finir. On doit donc se marier par rapport à l'amour, car l'amour ne passera jamais. Paul Serge, es-tu vraiment déterminé de prendre pour épouse ce jour devant toute ta famille ici et ta belle famille, ta charmante Marie-Noël qui est devant toi aujourd'hui? Oui, monsieur le maire. Bon, vas-y, vous m'avez dit, oui, monsieur le maire. Maman Marie-Noël, avec tant de temps que tu as fait souffrir mon petit frère. Es-tu vraiment décidé de le démontrer devant toute la famille et devant l'État que je représente aujourd'hui? Oui, monsieur le maire! On va donc demander aux futurs mariés de nous exprimer l'amour par un baiser olympique. Toi et moi, c'est pour la vie. Aujourd'hui, on se défie. On se décide. Fidélité, amour, passion, c'est nos défis. On se marie. C'est avec toi que j'ai choisi de faire ma vie. Et moi aussi, je t'ai choisi car t'es ma vie. Passer toute la vie. On vivra ensemble pour le meilleur sans le pire. Avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi de passer ma vie. Avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi le meilleur sans le pire. Chérie, mon jour après 7, et la reine
n'étais plus sur le marché. Épaules sèches les petites, tu vas laisser. Désormais c'est scellé, l'un envers l'autre serait zélé. Et ça pour l'éternité. Allons, vous souhaitons le bonheur du monde et même dans le malheur. Il n'y aura jamais la lecture de l'heure. Car ce que Dieu a réuni, nul ne peut le détruire, même Cupidon ne dira pas le contraire. Avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi de passer ma vie. Avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi le meilleur sans le pire. Avec toi, avec toi, avec toi, avec toi, le meilleur sans le pire. Avec toi j'ai choisi le meilleur sans le pire. Avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi de passer ma vie. Avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi, avec toi j'ai choisi le meilleur sans le pire. Chris NG on the mix. Mon bébé Crispo, je t'aime beaucoup, même tous les bisous.